Good morning, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, le Nishmat Machlouf, Micha ben Masouda, Rivka, Bat Levi, Itzrak, Avram, Chayin, Orber, Ben Fortuné, Mazal, Doven, Yudit, et Nissan, Ben Mafres, si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions la Sechet Midot, Perek Aleph, Mishnavav, Verba, les Chachot, Hayou, Bebet, Amoked, Kekitonot, Ptuchot, Letraklin, Shtaim, Bakodesh, ou Shtaim, Bachol, Verashe, Pispesin, Mavdilin, Ben Kodesh, Lachol, ou Mayum, Meshamshot, Maravit dromit, hi haïta lishkat tlaya korban, dromit mizrachit, hi haïta lishkat osé lechem apanim, mizrachit tzvonit, baganzu bne chashmonai, et avne hamizbeach sheshiktsum malchei yavan, tzvonit maravit, bayordin lebet atvila. Dans la mishnah précédente, on a découvert quelles étaient les trois portes qui étaient au nord de la Zara, on avait Sharanitzotz. Shara Korban et le Shara Amoked, le Bet Amoked. Maintenant, on va commencer à pénétrer dans le Bet Amoked. Si ça vous intéresse, ouvrez le PDF et vous avez, dans cette brochure en papier, page 3, chez vous c'est page 2 en haut à gauche, ce dessin-là, où c'est marqué en haut d'ailleurs, Perek, regardez, il y a marqué ici en haut Perek Aleph, Mishnah Vav Tet, ouais, parce qu'en fait c'est en rapport avec les Mishnayot Aleph de Vav jusqu'à Tet, qui vont faire les détails du Bet Amoked. Là on a une vue du Bet HaMoked décapité. En fait, on lui a enlevé le toit. On a retiré le toit, donc on a une vue comme ça de haut de tout ce qu'il y avait dans le Bet HaMoked. Mais d'abord, avant de mieux comprendre le Bet HaMoked comment il était, je voudrais d'abord qu'on voit un autre dessin, histoire de nous rappeler. C'est par rapport à la Mishnah précédente. Vous voyez, vous vous rappelez? On avait vu ça. C'était une vue du... Donc, des portes de la Hazara, des portes du Nord. Donc on les voit à côté sud, on avait les trois portes, et on avait, on voit ici le Bet HaMoked qui dépassait. Quand on prend une vue de haut du Bet HaMikdash, eh bien, on se retrouve avec ce dessin-là, par exemple, où on a, regardez, on a ici une vue de haut avec le Bet HaMikdash, où vous voyez, en fait, ici, il y a le Kodesh HaKodashim, ici, il y a le Mizbeach, et vous voyez un gros morceau, une grosse construction comme ça qui dépasse. Ça, c'est le Bet HaMoked qu'on va étudier dans notre Mishnah. Moi, je reviens maintenant sur mon Bet HaMoked, donc je vous dis page 2 en haut à gauche. Et d'abord, on va traduire les mots de la Mishnah, après on va voir où elle se trouvait. Verba les shachot ayou bebet amoked. Il y avait quatre cabines dans le Bet HaMoked. On a déjà expliqué qu'il y avait plein de cabines de partout au Bet HaMikdash. On découvrirait encore bien d'autres. Des cabines, on faisait toutes sortes de choses, il y avait plein de besoins. Donc selon les besoins, il y avait une cabine où on tissait la toile, le rideau de la Hazara. Il y avait une autre cabine, comme ce qu'on va voir, et on va découvrir quatre cabines dans ce petit Bet HaMoked. C'est ce qui se trouve ici, entre parenthèses. Regardez, il est là, et on voyait dans les quatre coins, on voit qu'il y a des points plus foncés, c'est les quatre cabines du Bet HaMoked, et la Mishnah nous explique que kitonot ptuchot les traklin. Elle ressemblait à des petits, comment dire, des petits cagibis, des petites pièces annexes, ouvertes à un grand traklin, c'est un château, mais là ça ne veut pas dans le sens de traklin, c'est dans le sens de grandes pièces. D'accord? Shtaim bakodesh ou shtaim bachol. Il y avait deux leshachot qui avaient un statut de Kodesh, de Hazara, et deux leshachot qui étaient en Chol. C'est-à-dire, le principe, il est simple. On a ici, regardez, la muraille de la Hazara, le grand mur de la Hazara. La Hazara, c'est une Gdusha supérieure à l'extérieur. Et ça, c'est une Gdusha inférieure, Gdusha Benonit, dans le Chayl, qu'on avait évoqué dans la Mishnah précédente. Il y a ici, d'accord, une Gdusha inférieure, moins forte. Selon le degré d'impureté, on a le droit d'entrer ici, ou là, ou pas du tout. Alors il s'avère que maintenant on a cette grande pièce qui est construite entre les deux, à moitié dans la Hazara, et à moitié à l'extérieur. Et bien il faut savoir, elle a sa Gdusha coupée en deux, elle aussi. Il y a un niveau de Gdusha plus fort dans la partie sud, qui est plus proche de la Hazara, dans la partie nord, qui est donc à l'extérieur des parois, si on peut dire, à l'extérieur des lignes du tracé de la Hazara. Donc il y avait quatre leshachot dans les coins, il s'avère qu'il y a deux leshachot, deux lishka, deux cabines qui ont un statut de Kodesh, et deux cabines qui ont un statut de Chol, On s'entend, on a dit de Chol inférieur par rapport à ce qui était super Kadosh, ça c'est moins Kadosh. Et la Mishnah m'enseigne, Shtaim Bakodesh, Shtaim Bakodesh, donc deux dans le Kodesh, deux qui étaient donc dans le périmètre Kadosh, super Kadosh, et deux qui étaient dans Chol, dans le périmètre qui était moins Kadosh. Et on commence à l'expliquer. Verashe pispesin mavdili ben kodesh lechol. Il y avait
des têtes de pispessine, des têtes de poutre qui sortaient. Ici, j'ai pas trop compris, ils les ont mises dans le sol, mais j'ai compris. Dans le dessin aussi, ils les ont mises, ouais, ils les ont mises au sol. En fait, bah, ça faisait en fait comme des poteaux, alors j'imagine qu'on trouve souvent dans la rue pour ne pas qu'on rentre, que les voitures dépassent certaines limites, on leur met des petits poteaux au sol, et bah, c'était le même principe, on avait des rachets pispessines. Vous voyez ici un pointillé, regardez dans ce dessin, ouais, je sais pas si vous le voyez, et bien voilà, c'est la ligne en fait qu'on voit ici, là, qui... cette ligne-là, en fait c'était des petits poteaux qui sortaient du sol, pour prévenir, regardez, jusqu'ici c'est super kadosh, au-delà c'est plus kadosh. Quel était l'intérêt de marquer la Gdoucha et pas la Gdoucha, quoi qu'il arrive, l'économie devait être pure. Il y avait quand même quelques petits intérêts. Essentiellement, il y a des... Comme on dit dans la Mishnah de Ezoum et Koman Shelzvachim, il y en a qui font... Il y a des corbanotes que l'économie doit manger uniquement dans la partie qui est Kodesh Kadashim, dans la partie de la Hazara, Venecharin Ba'Hazara, que dans la Hazara. Il y a des corbanotes qui devaient manger que dans la Hazara. Dans la Hazara, c'est dans ce qui est la Gdoucha de la Hazara. En l'occurrence, s'ils veulent manger dans le Bet HaMoked, ils doivent rester dans la partie sud, proche de la Hazara, où c'est Kadosh, ne pas dépasser les poteaux, parce que s'ils dépassent les poteaux, ils sont sortis à l'extérieur de la Hazara. Ok ? Ume hayu meshamshot. Et à quoi servaient ces quatre leshachot ? Je te dis qu'il y avait quatre cabines, à quoi elles servaient, quelles étaient leurs fonctions ? On commence avec la première. Maravid Romit, vous vous rappelez des directions, toujours. Ça, c'est vers le Maharav, vers l'ouest. Ça, c'est l'est. Là, c'est le nord. On fait la Shrita Batsafon pour les Kodesh Kodashim. Et ça, c'est le sud. Donc, idem, aussi, sud, sud ici. Et on commence avec justement la première, qui est la première cabine, qui est Maharavit Dromit, ouest, sud, sud-ouest. Donc, c'est celle d'en haut à gauche. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Yaita Lishkat Tlaei à Korban. Elle était la cabine où il y avait dedans les Tlaïm. Les Tlaïm, les moutons du Korban. Pour tous les jours, on apportait deux keves, deux moutons. Ouais. Un, le matin, c'était le Korban Tamid Shel Shachar, et Tamid Shel Ben Arbaim, deux fois un Korban Tamid le matin et l'après-midi. Eh bien, ça devait être un mouton. Pour chaque mouton, il devait être vérifié pendant 4 jours, et on devait vérifier qu'il n'y avait pas de défaut. Donc du coup, les deux de la journée, de la prochaine journée, plus 4 en stock, qu'on commençait à vérifier, sans arrêt, on alimentait le... Eh bien, ça, c'était le Lishkat Tlaim, c'était la cabine où il y avait dedans les 6 moutons qui se trouvaient là-bas. Dromit Mizrachit, maintenant, la deuxième... qui est au Darom, toujours dans la partie sud-est cette fois-ci, eh bien, c'était dans cet endroit où on faisait les 12 pains du Shabbat. Il y avait, comment elle s'appelait déjà cette famille? Bet Ravou, j'ai oublié leur nom exactement, Bet... Oh, je ne l'ai plus. C'est pas grave. Il y avait une famille spéciale qui savait faire cuire les... Comment on apprenait tout ça dans Menachot? Ils faisaient cuire un pain qui restait pendant une semaine sans s'abîmer. Il avait une forme de boîte. Donc c'est dans cet endroit où on construisait le lechem apanim. Les Mefarchim expliquent que la Mishnah va selon l'avis qui pense qu'il fallait les cuire dans la partie, dans la section qui était Kodesh Kodashim, qui était super kadosh. De ce fait, on la faisait ici, spécifiquement, pour que ce soit dans la partie, que ce soit kadosh depuis le moment où on le rentre au four. Ensuite, Mizrachit Tzfonit, dans la partie est. Nord, donc nord c'est ici, est c'est celle-ci. Donc on parle maintenant de cette lishka. Ba ganzu bnei chashmonai et avne amizbeach shikzu malchei yavan. C'est dans cet endroit que la famille des chashmonaïm, de Hanouka, qui ont repoussé les Grecs, eh bien ils ont dissimulé, caché, enfoui les pierres du misbeach que les malchei yavan, que les rois grecs ont été meshaket, ils ont répugné. C'est-à-dire, malheureusement, lorsqu'ils se sont emparés du Beth Amikdash, ils ont fait des korbanot, ils ont fait des sacrifices, les Grecs, au Beth Amikdash, pour la Vodazara sur le Mizbeach. Lorsqu'ils sont arrivés, ensuite, quand les Hashmonaïm ont repris le dessus, ils les ont chassés, après ils ont fait la Hanukkah Mizbeach, ils ont réinauguré le Mizbeach. Ils ont enlevé toutes les pierres sur lesquelles la Vodazara avait été faite. Et maintenant, ces pierres-là, ils ont une doucha qui a été profanée, donc il fallait les enterrer. Eh bien, ils sont partis, ils les ont mis dans cette pièce-là, spécifiquement. D'accord? Ils les ont laissés là-bas, et c'est tout, on les laisse comme ça. Tzfonit Maravit, la dernière lishka, qui se trouve au nord-ouest, donc c'est celle-ci, eh bien, bas, Yordin les Bet Advila, c'est par elle que l'on pouvait descendre au Bet Advila.
On avait déjà évoqué dans Maserhet Tamid que les Kohanim, ils dormaient dans le Beth Amoked. D'accord? Il y avait, si vous regardez bien dans le dessin, on le voit beaucoup mieux que dans ce petit dessin. Vous voyez, ici, dans cette partie-là, on a, j'ai un peu de mal à faire le bon geste. Dans cette partie-là, là, vous voyez qu'il y a des pierres des deux côtés. Il y a des, comme ça, des rebords, comme si c'était des escaliers. Et effectivement, on avait appris que là-bas, les Kohanim, dans ma Maserhet Tamid, on avait appris que les Kohanim dormaient là-bas. Il y en a qui dormaient par terre, il y en a qui dormaient sur les pierres. Lorsqu'un homme dort, parfois, il peut avoir une pollution nocturne. C'est une impureté, il doit nécessairement, il ne peut plus rester dans la Zara, il doit nécessairement sortir, se tremper et s'aller sortir. Maintenant, on avait appris tout le système, comment ça se passait dans ma Maserhet Tamid. Et puisqu'il dormait ici, il avait une pièce là-bas, par laquelle il descendait au Beth Advila, il descendait tout en dessous pour se tromper, il y avait là-bas un souterrain qui le menait vers l'extérieur, et donc ça c'est le Beth Advila, et il passait par ici, ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine de la Slacha Kol Tov, c'est là.